Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture de calendrier. On est le 9. Donc 6, 7, 8, 9. Voilà, on est le 9. Donc on va continuer à découvrir les surprises d'Angela. Donc je cherche la case numéro 6. Alors la case numéro 6. Ah, ici, voilà. La case numéro 6, je vous la fais voir, hop, elle est ici. Donc je vais tirer, reculer le calendrier, et là on découvre de jolies fleurs, encore de jolies fleurs au crochet. Elles sont superbes. En tissu également. Elle a fait ça, c'est vrai, tout est différent. Donc ça, c'est la case numéro 6. Alors là, on pourrait faire ça sur une petite décoration. Mettre ça sur un petit... décoration. Elles sont jolies, les fleurs blanches, comme ça. Elles sont très, très jolies. J'aime bien la façon où ça a été fait. Les fils, moi, je les rentre après. Mais c'est vrai que c'est bien fait. Donc voilà, donc ça c'est notre casier numéro 6 avec toujours ces petits chevreuils, son petit tissu. Voilà, on va découvrir la case numéro 7. Ah bah elle est là, tiens, elle est juste ici devant la case numéro 7 ici. Alors, qu'est-ce que ça nous cache? Waouh! Waouh! Joli ça! Pour mettre sur un junk ou pour mettre sur un... Comment on appelle ça? Un album. Très très joli. Et nous avons... Ça s'ouvre comme ça, je crois. Un petit carnet. Regardez, un petit carnet comme ceci, super sympa, j'aime bien. Angela connaît mes goûts, avec un dragon. Il est beau, il est super joli, en plus ça brille de partout. Et derrière pareil, là j'essaierai d'enlever l'étiquette, mais c'est le même dragon, très très joli. J'adore. Donc ça, c'était la case numéro 7. La case numéro 8 qui est juste à côté. Hop, ici, nous avons la case numéro 8. Waouh! Eh bien, dis donc, il y a plein de timbres. Plein de timbres. Je ne vous les ferai pas voir en détail, mais il y a plein de timbres. J'aime bien, moi, parce que j'aime bien me servir de ça pour m'écrire. Oh là là, il y en a de toutes sortes. Des fleurs, des paysages. Oh là là, il y en a des beaux. Regardez. Super joli les timbres. Oh là là. Il y en a de toutes sortes. Je vais me régaler à découvrir tout ça. Waouh. Ça représente quoi là? Des zèbres, je crois. Bon. Écoutez, je regarderai tout ça après. Donc exceptionnellement cette case là, je ne vais pas la remettre. Je vais me chercher une petite pochette pour tout mettre ça dedans. Voilà, plein de timbres. Et avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Et notamment comment ça s'appelle, les attestampes, je crois. On peut faire avec ça. Donc ça, c'est le casier numéro 8. Le casier numéro 9, il est ici. Voilà. Je l'ai découvert là. Le casier numéro 9. Eh ben dis donc, Angela, je suis gâtée. Alors là, nous avons plein de stickers. Plein de stickers. Des jolis stickers. Waouh. Des petites roses comme ceci. Comme ceci. Qu'elle a monté, je pense, en 3D. C'est super joli.
et toujours nos petits chevreuils. Voilà, donc ça c'était la case numéro 9. Donc on va s'arrêter là, puisqu'on est le 9 décembre. Et donc après, je vous ferai, dans une autre vidéo, je vous ferai 10, 11, 12, 13, oui, 4, puisque j'en ouvre 4 à la fois. Donc le 13, tiens, c'est l'anniversaire ma fille. Enfin, je verrai comment ça tombe, voilà. Donc voilà, nous avons ouvert donc ces 4 cases-là, 6, 7, 8, 9, on est le 9 décembre. Je suis super, super, super ravie. Voilà. Bah écoute, Angela, tu me fais là de très jolies surprises. Alors, les timbres, tu sais que je vais me régaler à regarder tous ces timbres. Moi, j'adore. Hein. J'adore, j'adore. Et puis, comme ça, je vais pouvoir m'en servir. J'ai déjà un petit bocal avec des timbres. Ici, que je vais donc rajouter avec cela. Peut-être prendre un petit peu plus grand. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles aventures. Bisous et merci Angela.